Enfin, nous y sommes. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Théo. Théo qui est le champion de Chine d'éloquence en français. C'est ça, hein? Oh, c'est énorme. Mais, en tout cas, ça me fait hyper plaisir de te recevoir et de pouvoir te parler aujourd'hui. Tu nous dis un petit bonjour, tu nous présentes un petit peu vite fait qui tu es, ce que tu fais en ce moment. Oui, tout d'abord, bonjour Angop, bonjour tout le monde. Et je vais seulement dire tout le plaisir est pour moi. Je suis au courant de l'existence de Wangop depuis très très longtemps. Dès mon début de l'apprentissage de français, j'ai regardé des vidéos de Wangop. Donc, toi, tu es vraiment un personnage important au cours de mon parcours d'apprentissage de français. Et voilà, et j'apprends le français depuis 5 ans, 5, 5, voilà, c'est la sixième année que j'apprends le français. Et c'est tout, vite fait. D'accord, bah écoute, bah ça fait plaisir, ça nous rajeunit pas, hein, si j'ai envie de dire. Si je me trompe pas, tu as 24 ans, hein, on peut dire ton âge quand même, 24 ans. Et Ouais, bah. tu as donc, alors, c'est des questions, je vais commencer un petit peu par les questions bateau, des questions très. Ah, d'ailleurs, vous verrez qu'il y a des sous-titres, notre conversation sera en français. Si parfois ça nous arrive de. Il y a des sous-titres pour que vous puissiez comprendre, hein, parce que on est gentil, on va mettre des sous-titres. Je pense que comme beaucoup de gens, comme beaucoup d'étudiants qui ont choisi la spécialité de la langue française durant toutes les années d'apprentissage d'anglais, je pense que je me suis intéressé à l'apprentissage des linguistiques de toutes sortes de langues dans le monde. Et puis je me suis dit, après le Gaokao, je me suis dit, je vais continuer mon apprentissage et mes études sur les langues. Et je me suis aussi dit, ça fait déjà beaucoup d'années que j'apprends l'anglais, et puis ça suffit pour moi, et je peux ainsi faire un choix d'une autre langue. Donc, à cette époque-là, que ce soit la langue française, espagnole ou bien allemande, ça m'était égal. Tous les amis venant du continent vont comprendre ce que je voulais dire. Après le Gaokao, on a le Zhiyuan, ouais. Donc on a le premier Zhiyuan, le deuxième Zhiyuan, le troisième Zhiyuan. Donc le français, c'est mon premier Zhiyuan. Donc ça dépend des universités, et ça dépend des notes qu'on va avoir. Et D'accord. puis voilà, c'est what happened. Est-ce Ouais. que tu peux nous parler de tes méthodes? Comment tu as appris? Est-ce que tu as appris au départ seul? Est-ce que tu étais en cours? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton environnement pour, et on en parlera tout à l'heure, pour arriver à ce concours et le gagner? Quel est ton parcours, tes méthodes pour apprendre le français? Alors déjà, pour les méthodes d'apprentissage, je pense que déjà, bien sûr, évidemment, je suis en cours, mais je regarde aussi beaucoup de vidéos sur YouTube, beaucoup de séries télévisées, beaucoup de films en français, que ce soit des films tournés en France ou bien des films tournés ailleurs, mais en France comme langue. En français, tu Et veux dire, oui. j'écoute en français. Et j'écoute beaucoup de podcasts, des histoires, des faits divers, de l'actualité, toutes sortes. Et tu peux nous dire quoi, par exemple? Qu'est-ce que tu écoutes? Quel film? Enfin, quelles sont les vidéos que tu regardais sur YouTube? Et puis comment tu es surtout, parce que là, regarder des vidéos, ça demande quand même un certain niveau. Moi, je demande aussi, j'essaie de savoir quelles étaient tes méthodes au début, pour pouvoir emmagasiner, Ah, au pour début. pouvoir se souvenir. Est-ce que tu as des techniques à toi pour réussir? Voilà. Alors, ma technique à moi, c'est de commencer tout direct aux vidéos, à regarder des vidéos, à écouter des podcasts. Mais au début, je comprends, si on est débutant, on ne comprend rien au podcast. Donc, j'ai beaucoup plus regardé des vidéos avec des sous-titres. Que ce soit des sous-titres sur YouTube automatisés ou des sous-titres faits par
des bénévoles sur des sites comme Bilibili. Oui. Voilà, on avait des comédies musicales françaises avec des sous-titres à l'époque à Bilibili et j'ai beaucoup regardé ce genre de vidéos et j'ai beaucoup appris, vraiment, vraiment beaucoup appris, même plus que auprès des professeurs en cours, je dirais. Qu'est-ce que tu en penses de tes professeurs? Ils étaient chinois, ils étaient français. Qu'est-ce que tu as appris d'eux? Je pense, c'est l'idée que je me fais. Je me trompe peut-être, mais pour arriver à ton niveau, je pense qu'il faut un bon prof. Bien sûr, j'ai eu beaucoup de bons profs. Il fallait des profs pour arriver à un certain niveau linguistique, surtout quand on est dans un environnement où il n'y a pas beaucoup de francophones ou bien des gens qui parlent la langue que tu apprends. Sûr. Donc, je dirais oui, absolument, c'est une nécessité d'avoir des bons profs ou bien des profs pour t'apprendre la langue. Et pour moi, au début, mes professeurs, la plupart d'entre eux sont chinois, mais j'ai eu des professeurs venant de la France ou bien D'accord. des francophones. Où est-ce que tu as appris, c'est-à-dire quelle université, est-ce que tu peux nous citer les institutions ou les endroits où tu as commencé, ou peut-être que tu continues à apprendre le français. Ah oui, j'ai fait mes premières études de français à l'université normale de Sichuan. D'accord. C'est une université située à sud-ouest de la Chine. Et pour l'instant, je fais mes études pour mon master en interprétation française-chinoise à l'université des études internationales à Shanghai. D'accord, donc là tu es à Shanghai maintenant. Là, pour l'instant, je suis à Chengdu. Je fais mon stage À à Chengdu. Chengdu, d'accord, ok. Je suis sur le point d'obtenir mon diplôme. Donc, je n'ai plus de cours, Ok, disons simplement. donc place au travail bientôt, donc on va gagner un petit peu Oui. d'argent. Bon, bah, ce serait temps. On va passer un petit peu à la deuxième partie. C'est ton parcours, ton fameux parcours du concours d'éloquence. Est-ce que tu peux nous en parler? Voilà, tu es champion de Chine. C'est pas rien d'être champion de Chine. Mes félicitations encore une fois d'arriver à ça. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, nous dire ce qui s'est passé, si tu as des anecdotes évidemment, voilà. Ok, d'abord, merci, hein, merci pour tes félicitations. C'est normal. Mais aussi, je voulais clarifier une chose, c'est que je ne suis pas non plus le champion de la Chine entière. C'était un concours spécialisé pour les étudiants en français, donc pas même les étudiants en cycle supérieur, juste les étudiants qui ont commencé l'apprentissage de français depuis 2 ou 3 ans. Donc voilà, ce n'est pas rien, mais ce n'est pas très, très grand-chose. Non mais c'est quand même, non mais je rectifie pour les spectateurs que ce personnage est assez humble. Alors raconte-nous comment tu as déjà, comment tu, ce qui, pourquoi tu as participé à ce truc, comment ça s'est passé? C'est un concours qui s'appelle Wai Yan She Pei, un concours d'éloquence pour le français. Il y a aussi Wai Yan She Pei pour l'anglais, pour l'éloquence d'anglais et autres langues. L'une des professeurs m'a convaincu de participer à ce concours. Donc, premièrement, on passe à l'étape de l'université et on va avoir des concours à l'intérieur de l'université. Et D'accord. la même chose va se passer pour les autres universités, tout en Chine. Donc il y a Et un puis, concours dans chaque. l'université, un concours interne, c'est ça que tu veux me dire? Oui, de toute façon, de toutes les universités qui ont un département de Bien français. sûr, oui. Et puis, chaque université va avoir un champion de leur université. Et puis, on va avoir un deuxième concours, un deuxième round. On va enregistrer une vidéo pour sélectionner 12 ou bien 10, ça dépend des années. Donc, pour moi, c'était 12. Participants de concours qui vont participer à la grande finale. Mais techniquement, tous les étudiants de cette année, de la troisième année ou quatrième année de la spécialité de français vont
participer à cette compétition. D'accord. C'est pas obligatoire, mais ça se fait de participer. C'est pas obligatoire. C'est D'accord. pas obligatoire, mais chaque université qui a un département de français vont choisir leur étudiant, leur Leurs meilleurs élève élèves, ouais. pour participer, leurs meilleurs élèves pour participer à un deuxième round. Et ça se passe en combien Et de là, temps c'est tout la grande ça? finale. Tu veux dire sur la scène? Non, entre le Sur la scène de moment la où grande finale? tu t'inscris et le moment où tu es en finale, Ah ouais, il à s'écoule. peu près un peu plus d'un mois. D'accord. Et alors, la finale, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour la finale, chaque participant va avoir 4 ou 5 minutes sur scène pour donner un discours thématique. Et puis après ce discours, on va improviser sur un thème. Et ce thème, on va le choisir, comment le dire, mais tout se passe sur scène. Donc après que l'on a fait ce tirage au sort et on voit le thème, la question, et on n'a pas du tout le temps pour réfléchir. On va D'accord. juste parler et parler et commencer à parler sur ce sujet D'accord. pour 3 ou 4 minutes. Ouais, quand je me suis préparé pour ce discours que j'ai donné, putain, j'ai fait beaucoup d'efforts sur le texte et l'une des professeurs m'a beaucoup aidé. Donc voilà, c'est de vieux souvenirs. Mais C'est il y a 4 ans. c'était il y a quand même 4 ans. Qu'est-ce que le fait d'avoir gagné, qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors déjà, ça fait un peu bizarre parce que là, je veux dire là, ça fait un peu bizarre parce que ça s'est passé il y a 4 ans et là, il est à toi, à Juanque, qui me demande comment tu te sens après avoir gagné. Donc c'est un peu bizarre, mais Comment tu te si je sentais dois... à l'époque? Qu'est-ce que tu as senti quand tu as gagné, quoi? Et puis, ce que ça t'a apporté il y a 4 ans jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses qui sont venues à toi, par exemple? Mais pour moi, j'étais hyper content de ce résultat, mais aussi c'était un résultat inattendu parce que il y avait, si je me souviens, il y avait d'autres candidats qui parlent très bien le français, et même avec un accent splendide, je dirais. Et je suis toujours ami avec eux. D'accord. Et voilà, je pense que j'ai eu ma chance parce que après que tous les participants, tous les candidats ont fini leur discours, ont fini leur prestation, et puis on va attendre le résultat qui va sortir de la bouche d'un certain professeur. Et puis ils vont lire les noms des troisième prix, le deuxième prix, le premier prix, les champions. Donc ils vont commencer par le troisième prix. Et puis j'ai attendu, et puis j'ai attendu, j'ai toujours pas attendu, j'ai toujours pas entendu mon nom. Et puis ça me fait un peu flipper parce que le plus tard ton nom apparaît, ça veut dire que le Le meilleur meilleur ton tu es, prix ce oui. sera. Ouais. Donc c'était un processus qui a duré à peu près 1 ou 2 minutes, mais c'était pour moi. 2 jours, quoi. Ouais. Je vois, ouais. Tes parents, qu'est-ce qu'ils ont pensé de ça, tes parents? Alors, mon père était déjà décédé à cette époque D'accord. et Paix à ma son mère âme. était merci. Et ma mère était hyper contente. Elle était dans la Elle salle? aussi. Non, non, elle est à la maison chez elle. Et on est tous les participants, tous les candidats. Nous sommes partis de notre université à cette ville qui est appelée Anqing. C'est dans la province de Anhui. Donc tout le monde était venu d'ailleurs. De toute la Chine, j'imagine, oui. Et qu'est-ce que tu as gagné? Est-ce que tu Non. nous peux nous parler de ce que tu as gagné? À part un prix, rien d'autre. Alors, quel était ce prix? Quel était ce grand prix final de l'éloquence française? Ah oui, il y avait ce prix. Il y avait ce prix. Ils m'ont donné un dictionnaire parce que, tu vois... Quand je disais Wai Yan She, c'est quand même un chou ban she, Oui. comment on dirait ça en Un français? éditeur. Un éditeur. Donc, ils m'ont donné un grand, grand dictionnaire français-chinois, chinois-français.
issu de cet éditeur. D'accord. Et c'était, et à part ça, rien d'autre. Mais je peux quand même parler d'un autre championnat que j'ai gagné. C'était un autre concours organisé par le consul général de France à Chengdu. Ouais. Donc c'est un complément à un autre Ah, ça n'a concours, rien à hein. voir, d'accord. Alors, on récapitule. Ça n'a rien à Donc, voir. tu as, C'est attends, deux tu as concours. gagné deux concours. Le premier, c'est le concours national Oui, universitaire le de français. Ils t'ont quand même offert un dictionnaire. C'est pas mal. Attention, hein. C'est pas mal, Un c'était ça, c'est chercheur pas mal. dictionnaire. Et tu as participé à un autre concours de français qui a été fait par le consulat de Chengdu. C'est ça, hein? Oui, le consulat de France à Chengdu, D'accord. donc c'était pas un tri et c'était pas un concours national parce que c'est quand même c'est le consul général de France à Chengdu. Donc ce n'est pas non plus organisé par l'ambassade de France en Chine. Donc ce sont des candidats venant du sud-ouest de la Chine. Donc une Concours partie de régional, la on va Chine dire. Concours est régional. régionale. D'accord. Et puis encore une fois, j'ai gagné un prix de ce concours, le premier prix, donc le championnat, si on peut le dire. Et le prix était censé être que le consul général de France va organiser comment dirais-je, ils vont payer pour que je puisse aller en France D'accord. pour étudier et Ah, il y faire avait du tourisme pendant 2 semaines. Mais D'accord. c'est seulement pour 2 semaines, hein. C'est pas non plus pour 2 ans. D'accord. Donc, il y avait un voyage en France à gagner. Oui, donc c'était un concours qui a été fini à la fin du à la au début de 2020. Donc Ouais. vous imaginez que c'était une période C'est en plein Covid. qui est un peu spéciale en Chine. Donc ce fameux voyage n'a pas été réalisé. Et puis le consul général de France à Chengdu nous propose parce que le prix était censé être pour moi et le second prix. Oui. Ils nous ont proposé d'annuler le voyage et ils vont nous donner un autre prix, c'est de 20 heures de cours de français et c'est à nous de choisir le thème. Et le professeur sera désigné par l'Alliance française. Donc ce sera un professeur d'Alliance française. Donc on a accepté, nous ont offert quand même un choix, c'est de soit vous attendez que Ouais. le Covid soit terminé, soit vous acceptez les 20 heures de cours. Et donc là, à cette époque-là, vous imaginez, tout le monde est pessimiste sur la durée de la Covid. On a peur que désormais, c'est le cas désormais. On ne peut plus aller à l'extérieur du pays ou bien ce sera très, très difficile de voyager dans le monde. C'est un peu une des raisons, voilà, que l'on a choisi, moi et ce deuxième gagnant, d'accepter avec plaisir Les les 20 heures de... 20 heures Tu les de. as déjà prises, ces 20 heures de cours ou... Oui. Donc, on a vraiment beaucoup appris. Donc, ce n'est pas rien. Je voulais simplement dire, ce n'est Bon, pas je n'ai pas rien que 20 heures de cours. fait. Oui. Mais quand C'est quand même, même hein, le quelque consul chose. général, C'est quand même si vous quelque chose. pouvez lâcher 2, 3 billets pour un petit voyage en France bah, pour les gagnants, ceux qui font l'effort d'apprendre le français. Voilà, ce serait la moindre des choses. J'ai une question maintenant à te poser sur la France. On va un petit peu parler de la France. Est-ce que tu y es déjà allé? Non. Non. Donc bah, c'est pour ça, hein, Non. c'est pour ça. Il est en plus, hein, c'était l'occasion ou jamais. Alors, tout ce que j'ai en impression pour la France, je les ai appris sur les infos, l'actualité et les médias sociaux. Donc, pour moi, la France et la France telle existait sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, parce que les réseaux sociaux... C'est-à-dire, alors c'est très dur de résumer la France en simples quelques mots, mais la France est pour moi un pays, pour moi la nation française et le peuple français est un peuple qui ont leurs propres idées,
Enfin, vous êtes un peuple qui ont beaucoup de couilles, qui ont un grand couille. On a une grosse paire de couilles, tu trouves pas? D'accord. Ah oui? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Grosse paire de couilles. Parce que vous faites beaucoup de manifestations, vous n'avez pas peur de vous exprimer, que ce soit des petits débats entre amis ou bien sur des scènes politiques internationales. Donc c'est pour ça que je le dis. D'accord. Donc tu penses qu'on a une liberté d'expression qui c'est quelque chose que tu aimes bien ou comment tu vois ça, toi? C'est quelque chose que je vois en vous comme une particularité. Voilà, D'accord. c'est tout ce que je peux vous dire. Ok. Tu aimerais aller en France? T'étais curieux d'y aller? Ou c'est je sais pas, par rapport à ce que tu entends, comme tu as dit tout à l'heure sur les réseaux sociaux, est-ce que ça te donne envie d'y aller? Est-ce que tu es toujours curieux? Je suppose hein, que tu étais curieux avant. Est-ce que tu l'es toujours? Est-ce que c'est un endroit qui t'intéresse? Bien sûr, j'ai envie d'aller en France, mais aussi d'autres pays francophones. Mais comme tu dis, j'ai la curiosité d'explorer le monde. Donc, la France est pour moi un endroit dans le monde que je n'ai pas encore visité, et c'est tout. Donc, la France n'est pas pour moi quelque chose dont je rêve ou bien Ok, c'est pas un avec rêve. D'accord, oui, mais c'est c'est une pas curiosité. Donc, rêve. habiter en France un jour, ça fait pas partie de tes plans. T'aimerais vivre en France un jour? Là, t'es Un jeune, hein, jour mais... peut-être. Ah oui, d'accord, ok. C'est... Oui, Pourquoi pas? prochaine, j'ai pas réfléchi dans ce sens, mais pour moi, tout est possible, je pense. Ok. Il y a un livre que j'ai beaucoup aimé, c'est par Romain Gary. Le livre s'appelle La promesse de l'aube, parce que le livre, Romain Gary a décrit dans ce livre un peu comme un autographe, donc sa vie en entière, Sa de son biographie, tu veux enfance. dire. Oui, biographie, c'est comme une sorte de biographie pour lui. Et il a, comment dirais-je, il a une enfance qui est beaucoup familière, qui est semblable à la mienne. D'accord. Et dans ce livre, il a beaucoup décrit sa mère, et sa mère, il a une forte personnalité. Et sa mère est un peu un élément important pour sa carrière à Romain Gary, pour sa vie même, pour son caractère. Et le personnage de la mère qu'il a décrit dans ce livre ressemble beaucoup à la mienne, donc à D'accord, ma mère. je Et vois. c'est Ok. pour ça que j'ai le sentiment de lire un peu mon enfance et mon histoire, ma mère dans ce livre. C'est pour ça que je l'ai choisi comme préféré. Pour la musique, attends, je réfléchis. Je vais citer à tout le monde un deux paroles. C'était Prenez ma main, je vais vous montrer. Mademoiselle, blablabla. Ça s'appelle. Il y a un danser dans le nom de cette chanson. Et je l'ai choisi parce que c'était l'une des chansons que j'ai beaucoup écoutées pendant le début de mon apprentissage de français. Et c'est un peu la raison pourquoi j'ai oublié le nom, parce que ça fait trop longtemps que je n'ai pas écouté cette chanson. Et ça me paraît trop lointain dans la mémoire, D'accord. mais dans les souvenirs. Bon, on la Mais retrouvera, ça reste, on vous mettra ça en... ça reste la chanson préférée en français, en tout cas. Alors, j'ai regardé beaucoup de séries. J'ai regardé beaucoup de séries avec le son et la voix française. Ça s'appelle un doublage, Un doublage, ouais. un doublage. Mais pour une série vraiment vraiment française, Scam. En chinois, on peut taper Xiuqi. Xiuqi, ok, Xiuqi, donc ça, ce serait ta série préférée, traduite en français, hein, faite en français. Est-ce que, alors, en petit dernier, quel serait ton mot et ou ton expression en français préférée? On t'a entendu dire couille et putain,
Ce qui est quand même du vocabulaire assez Alors, malsain et vulgaire, hein. mais je vais quand même citer, je vais quand même citer, je vais quand même citer un mot dans cette catégorie, hein. Ouais. Ça s'appelle bifler. Ah, Est-ce que tu as déjà entendu ça? c'est très intéressant, oui. Non, bah, parce que voilà, je l'ai choisi parce que c'est trop marrant. L'image que ça donne, c'est trop marrant, c'est trop choquant. Et je ne peux même pas imaginer comment une personne peut inventer ce genre de mots. Vous avez un mot pour ça, pour une action qui est quand même pas très ordinaire. Non, oui, c'est sûr, oui. Mon cher Théo, j'ai quelques petites questions à te poser. C'est très très simple. C'est qui éclate qui, selon toi? Alors tu me diras d'abord entre la France et la Chine, qui tu penses que éclate l'autre et pourquoi? D'accord? Alors la première, on va commencer simple. La musique. Est-ce que tu penses que la musique française éclate la musique chinoise ou est-ce que tu penses que la musique chinoise éclate la musique française? Alors, sans réfléchir, c'est la Chine, parce que la France, je Ok. ne crois pas que la France a sa propre musique. Ah bon? Mais no offense, hein, no D'accord, offense. non, mais pas du tout, non, Pas, mais. à ma connaissance, la France n'a pas sa propre musique. Par exemple, pour le monde espagnol, pour le monde latino, ils ont de la musique latino. Ah, tu veux Voilà, dire mais une pour la musique France, hein, typique? D'accord, je vois ce que tu veux oui. dire. On a Et l'accordéon. puis, quand je pense à la musique française, là, je vois rien. D'accord, ok. Il n'y a pas une musique typiquement française. D'accord, ok. Bah, c'est peut-être l'accordéon, un petit peu, tu vois, l'accordéon. Ah oui, l'accordéon peut-être. Et Mais puis, c'est trop cliché, c'est l'accordéon. vrai. D'accord, ok, d'accord. Donc la Chine éclate, selon Théo, la musique française. Deuxième question, c'est une question meuf, hein, question femme. Est-ce que Ah tu ouais. penses que les femmes chinoises, par leur beauté, éclatent les femmes françaises, ou est-ce que tu penses que les françaises sont beaucoup plus belles que les chinoises et éclatent les femmes chinoises? Je t'écoute, Théo. En parlant de la beauté, est-ce que Oui, bah, tu voulais dire les on va dire, apparences? tu as raison de recadrer ma question. On va dire d'un point de vue général. Voilà, si tu veux choisir des petits trucs en général, est-ce que tu penses que les françaises éclatent les chinoises ou les chinoises éclatent les françaises, tout simplement? Alors, si je dois choisir tout simplement, je dis la Chine, mais si je m'explique, hein, pour moi, je suis un mec asiatique, je préfère les apparences asiatiques chez une femme, mais à l'intérieur, chez la personnalité d'une personne, je pense que les femmes chinoises ou bien les femmes asiatiques, they could use more confidence in themselves. Donc, je pense que pour nous, les Asiatiques, les femmes asiatiques ont vraiment besoin de plus de force. Féminine. L'attirance d'une personne vient non seulement par ses apparences, hein, ça vient aussi de la force intérieure de sa personnalité. Alors comment tu choisis? Alors qui éclate qui? Parce qu'il faut quand même répondre à la question, tu t'es un petit peu expliqué, mais qui éclate qui? La La Chine. Chine éclate. La Chine, pour le deuxième point gagné par la Chine, qui éclate la française. Troisième question, la littérature. Est-ce que tu penses que la littérature chinoise éclate la littérature française ou le contraire? Ah, ça, c'est une question difficile. Mais pour moi, personnellement, je suis plus familier avec la littérature chinoise, et je suis moi-même une personne chinoise qui parle le chinois, qui écrit en chinois. Donc, je peux sentir plus la beauté de la littérature chinoise. Donc, pour cette question-là, c'est toujours la Chine. D'accord. Mais je suis sûr que si je suis né en France, si je suis né francophone, alors là, la littérature, parce que la littérature, ça c'est la littérature est quelque chose qui est lié à la langue. Et si tu parles et écris, si ta langue maternelle est telle ou telle langue, je pense que c'est naturel, c'est tout naturel que tu penses que la littérature dans cette langue a plus de profondeur ou de beauté ou Parce que tu la comprends de en fait. voilà.
D'accord. Eh bien, troisième point encore une fois de plus gagné par la Chine selon Théo, où la littérature chinoise éclate la littérature française. Dernière question. Question manger, question chefan, question bouffe. Selon toi, on aime cette réaction, hein? 这个问题没有悬念吧？Ah oui, si,这个问题没有悬念吧？selon toi, quel est le qui éclate qui? Est-ce que la bouffe, la gastronomie française éclate la cuisine, la gastronomie chinoise? Let's put it like this. Si ta question était la gastronomie chinoise contre la gastronomie de l'Europe tout entière, j'aurais choisi la Chine. Ah, carrément. Ouais, carrément. Alors, il faut absolument que tu voyages en France et que tu goûtes les plats français. Et peut-être que là, tu pourras mieux comparer. Mais tu sais que la cuisine française, on mange très très bien. Moi, je suis français, donc je choisis la cuisine française. Mais en numéro 2, je comprends que tu puisses préférer. Tu voulais dire tu voulais rajouter quelque chose? Non, je vais simplement ajouter qu'après ces quatre questions, je me sens trop patriotiste. Écoute, bah c'est bien d'être patriote. En tout cas, 4 points pour la Chine selon Théo, qui, pour toi, la cuisine, la littérature, la musique et les filles éclatent les Français et les Françaises. Un chasseur chassant sa... Si moi j'y arrive pas, ça va pas aller. Un chasseur... Un chasseur sachant chasser avec sa chienne, Non, c'est c'est ça? un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Je répète plus doucement. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Tonton, tonté, tatil ou tatou? Ni l'un, je te Répète, gamin. s'il te plaît. Ni l'un, je te Je gamin. connais ce mot, j'ai entendu ce mot, mais Ah. je n'ai jamais réussi. D'accord, tonton. Tonton? Tu le dis au dieu, hein. Tonté, ni de cha, tonté. Tonton, tonté. T'a-t-il, yo meo, je vais faire un golai de yo meo, hein. T'as dit yo meo. Ah, T'a-t-il? tonton, tonté, t'as-t-il? Ôté, na, tu, dia, na, dia, co, dia. Ôté, t'as tout, ni, que, so. Tonton, tonté. T'a-t-il? Ah, tonton, tonté, t'ont-ils ôté, Non, tonton, tatou. tonté, je crois, je dis ça, tonton, tonté, t'a-t-il? Ôté, t'as tout. T'a-t-il? Tonton-t-il, Non, on tonton, va. tonté, tont-il, Tonton, tonté, tonton-tonté, t'a-t-il? ont-ils, T'a-t-il? à tonton, tonton, tonté, t'a-t-il, ôté, tatou, ou Voilà. tontou. Tatou. C'est tatou. Tatou. Ah, la tou. Tonton, Tonton, tonté, tonté, t'a-t-il? tonton, tonté, t'a-t-il, ôté, tatou. Exact, c'est bon. Merci beaucoup, Théo, pour ce petit échange avec moi. Juste avant qu'on se quitte, est-ce que tu as une actualité? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Est-ce que tu vends quelque chose? Même si, je ne sais pas, si tu as un truc à dire pour que les gens sachent où te trouver, ce que tu fais, ce qu'on peut te souhaiter, etc. Est-ce que tu peux nous dire tout ça comme une espèce de mot de la fin? Alors déjà, merci à toi, Rango, de m'avoir invité pour cet entretien. Et si vous voulez me trouver, je peux mettre mon lien de Bilibili sur le bas, D'accord, en on bas. fera ça bien sûr,但是我很久没有更新了。但是如果你想和我交朋友，和我发生 contact 的话，可以通过 Bilibili 找到我。好，contactez-le sur Bilibili, c'était Théo. Encore une fois, je te remercie d'avoir fait ça avec moi. Tu voulais dire quelque chose? Rien d'autre? Rien d'autre, mais Bon. merci à toi, merci à tous. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici. Et puis, bah, on vous dit à la prochaine. Ciao, on dit au revoir Théo ensemble. Salut Au tout le revoir. monde, à bientôt.